Attends, deux. T'as pas écouté tout à l'heure? Je suis second. Le premier, il est là. Number one. C'est là. Ouais, mais là, aujourd'hui, ça peut être possible. Non, ça peut. Et sinon, t'attends demain pour le moment. Moi, je suis là, 10h. Non, je vais chercher un petit. Tu couperas au montage. Ouais, ouais. Tu couperas au montage. On le mettra dans le bêtisier celui-là, j'ai dit. Ouais, attends. Là, ils ont mis du silicone, non, on le met dans le bêtisier juste s'il loupe le. Vas-y, monte ton chien, lui. On monte les mots. C'est bon, ça, on va le mettre dans le bêtisier. C'était bien, Steph. Ouais, toujours bien. Allez, il faut du chat. Allez, Loulou. L'Union nationale, il y a derrière. Oui. Le numéro, c'est l'armoire. Oui, bien. Oui, ils sont là, tu peux les mettre. Ah, ils sont parmi. Ouais, ils sont venus. Ah, bah attends, ils partent en même temps. Eh, hey, ton pilote de droite, il marche pas. C'est bon. Je peux éteindre, mais bon. C'est bon, Marcel, les fariennes. Eux, ils vont déjà pomper la moitié de la bouteille. Allez, on va faire péter, attention. Un coussin. Ok, dis donc, ça coupe pas ta pompe électrique, ça coupe pas ta pompe à l'essence. Je l'ai entendu à part. Ouais, je l'ai entendu à part aussi. Vas-y, mets-la en route. Non, mais ta pompe à essence simplement. Comment on la coupe? Là, là? Non, on met en route. Non, ta pompe à essence simplement. Ah bon. Ouais. Coupe. Ça coupe, ok. Non, mais c'est bon, je t'entends pas. Et en plus, il est sourd. J'ai beau le mettre l'oreille là, mais il n'aime pas ça. On regarde le câble, allez. Attends. Vas-y. Vas-y, tu peux tourner. Ouais. Ok, dans l'autre sens. C'est bon pour moi. Prends ton casque. Les casques des pilotes, pardon. Il faut au moins 4 casques. Vous l'avez laissé.
Ouais, c'est un jeu. Pardon. On a juste un casque. Les bottines, les gants. Il manque un casque, non? Il arrive. Il y a encore la carrière, ça descend. On a plus de casques que pilotes. On est où avec lui là? On a deux par pilote. Il est ouvert, mais. Ah ouais, tous en jet. Sur le capot, sur le bateau. Ah, ah, on en manque plus qu'un. Ok, par contre là il manque beaucoup d'anges. Okay. Il en manque un peu de trop. Allez les gars, faut sortir vos signes des sacs aujourd'hui. C'est 40%. Celui-là aussi, il manque encore. Il faut remettre d'avance. On a fait le Stéphane Mourin. 70% de anges. Tout baisse. C'est pas moi, tu notes. Tout baisse. Signe. C'est pour jouer. Tout baisse. Par contre, on n'a pas fait l'airbag, on va le faire tout de suite. Ouais. Hein, allez, on fait l'airbag. Donc, il faut la prime d'airbag. Ils ont pas laissé de la place pour qu'on relance de l'UEM. Mais c'est rigolo. Ah oui. Deuxième interro, on peut faire. Mais non, il n'y a pas à mettre, c'est l'organisation du pouvoir aller. C'est 3-4% par rapport à la surface totale d'espace. C'est pas, t'as un bout de diamètre. Ouais. Ouais. Il est dans la boîte à vis. En attendant que Spatis me le remplisse. Allez, deux piles, lampe de torche à pile. Ah ouais, c'est vous regardez, ouais. C'est carrément dans le tableau de bord. T'as ouvert ton truc? Ouais, faut lever ça. Lève ta molette. Lève ta poignée. Ah, mais lève ça. Oh. Ah, bah, quand tu veux faire mon airbag, il est là. T'as l'envie, tu l'as. T'as pas de repère, là? Oh, là, on a, on a. Vas-y, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est bon, oui. Débranche. Oui. Ah, c'est bon, il est venu là, on va aller descendre. Ah, attends, parce que maintenant, il faut que je trouve les autres. Ah, on arrive. Il fait celle d'en bas à droite, pardon. Ce sera mieux sur sa tête. Ouais. Ah bon? D'accord. Il a fait un peu toutes les couleurs. C'est pour rondelle. Il est vert inventé, je connais pas le nom. Excuse-moi. Putain, t'es en train de me laisser crever au fil de bâton. Ouais, ouais. Venir, regardez qu'il faut chier. Si on rentre dedans, il faut appeler. Non, c'est mort. Il faut le découper dans la filière. Il faut le retirer. Tu veux que la prise de dessus? Ou alors il faut me mettre une pompe à vide. Voilà. Ça va aller avec ton dos? Bien. Moi qui suis dans béton, c'est les autres, mais bon. Chacun est encore par ce moment ici déjà. Étant
Ah, Yann. Oh la vache. C'est bon, tu t'en sers. Tu prends ça. Tu prends ça pour la saison prochaine avec des enfants. Ah ouais. Le TSB Racing avec Alain Paris, qui lève la main. Alain Paris. On va accueillir les champions en titre. Et je pense qu'on aura quasiment terminé notre petit tour. C'est le dernier. Ils sont champions en titre lors des 24 heures motonautiques. Ils n'avaient pas gagné en 2007, mais avaient été champions du monde quand même. Le bateau numéro 1. On the people without armbands are free.
Ça réagit exactement identique. Ouais. Ouais. Moi j'avais plutôt sauté au départ que du bouton droit il marchait pas bien. Moi aussi j'ai sauté. Donc je lui ai dit. C'est ça. Bon. Quelqu'un tient de l'embase. Et on va voir si avec une force ça bloque. Jean-Paul, Jean-Paul,
fait qu'en plus il met vachement longtemps à montrer par rapport à ce que je dis. Moi je pense que si tu règles, on peut compter les premiers flots. Voilà. Mais quand on voit avec le plein, moi je sais pas, mais il faut le voir avec le plein, avec tout ça. Et après tu le sens. C'est toi qui avais le plein ? Ouais, maintenant il y a le plein. Tu l'as pas vérifié ? Non, rien, tu Est-ce que tout le monde est bien d'accord au niveau du fonctionnement montée-descend par rapport au débat? On est d'accord, la même chose. Mais on attend, c'est la même chose. Quand nous, on avait réussi à donner dans l'eau, on n'arrive pas à voir ça. La petite réglette reste au milieu. Quand tu es trimé, que tu es multi, elle reste en Cyril, c'est pas le jeu qu'on avait vu dans le câble à la dernière minute. Parce que le câble, il y a du jeu. Alors le temps, c'est le temps de la réaction que. Mais pourquoi il le ferait pourquoi il marcherait correctement à l'arrêt et qu'il ne marcherait pas sur l'autre hein. Ça concerne plus dans la partie mécanique. Hein. Moi j'aurais que calfeutré. Ah mais il y a l'air plus. Non, je donne mon avis. En plus, t'as la limite. Tu as envie de transpirer un peu. On aura de la buée automatiquement. Entre bateau. Mais là, c'est normal, en plus, avec la flotte qui est rentrée, automatiquement. Est-ce que ça vous va sans calfeutre quand il y a des trous devant pour faire rentrer de l'air? Si tu es sûr qu'il n'y a pas d'eau, que la flotte qui rentre, ça va pas nuire à l'intérieur. Si c'est des tout petits trous, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup d'eau. Tu sais, des fois, quand tu as de l'eau qui arrive avec de la vitesse sur les petits trous, tu as l'impression d'avoir un cachet, quoi. En même temps, il y a un peu. On essaie de voir le jeu déjà sur le câble. Ouais. Photographe. Personne derrière le moteur. Thank you.
Là tu la mets à la méthode vous. Et dans l'autre sens, tu la mets à la méthode Gilles. Allez, on va
y a des changements partout. Moi je suis venu rentrer, mais du tout, tout le monde. Puis après, papa, mais quoi, je suis pas.
tenu contre la grille. Hey, pas de la gueule. Comme tu veux. Mais Gilles, faut toujours. Gilles, je préfère.
Maintenant on peut faire ça. Maintenant on peut faire ça. On va voir. Allez. On va voir Rémi demande, il a des trappes avant. Bon, il est où? On y va, casino. Allez, c'est monté maintenant. Allez, c'est pas possible.
Ah ouais, donc tu ne bougeais pas. Tu touches plus rien. Ah. Mais par contre, tu peux plus... Tu vois, quand tu t'es allégé les derniers tours, là, il était carrément léger. J'ai failli faire deux flips avec. Parce que je pouvais plus jouer avec le tri. Et il a fait... Là j'ai vu. Donc même dans la descente t'as commencé à jouer. Ah oui, j'ai commencé à briller. J'ai vu, j'étais sur l'île de la croix. Ce qu'il faut faire c'est relever juste un peu le pied. Tu vas toujours en émuler là dans la descente. Ah oui. 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 Ah Thank you.
vous allez prendre le micro. Voilà. Il y a des fans aussi, décidément. Alors, ah oui. Voilà, je cherche un peu dans le classement. J'ai un classement un peu étrange sous les yeux. Bah, voilà, vous ah, présentez. Ouais. Bien sûr, bon, moi je non, suis... Non, je parle pas du classement, je parle de mon tableau. Hein. Ah ouais, parce que là, bon, effectivement, on est redescendu dans le classement. On a pris un bon départ. Ah bah oui, hein. Ouais. À 17h30, on était second. Le souci, on a les trappes d'airbag qui se sont ouvertes. Ah, c'est vous, ah oui, on en a entendu parler. Nous. Ça, ça n'existe pas normalement. Alors, c'est normalement, que... ça doit pas se passer. Mais bon, le règlement a un petit peu changé. Avant, les airbags étaient collés. Donc là, on a enfourné, le bateau a embarqué de l'eau. Les trappes se sont soulevées et ont arraché les vérins et les cloches de vérins qui sont sous le bateau. Donc le bateau s'est rempli. Et le souci, ce sont des pièces de rechange qu'on ne peut pas avoir comme ça. Ce sont des pièces qui n'existent qu'en Italie. Et c'est très très dur à monter. C'est pas des pièces de rechange. Donc non, voilà. C'est... Pour nous, c'est tout nouveau. Parce que bon, moi, la classe 2, j'ai connu il y a 2 ans. Je reviens cette année, donc avec une nouvelle équipe, avec Sébastien Horto du TFI et moi qui étais du TDI22, oui. L'équipe police. Donc on a un petit peu découvert la chose. Et on a une équipe d'assistants qui a été capable de nous faire en une heure et demie des trappes en composite dans le camion. Pendant ce temps-là, on a une autre partie de l'assistance qui est partie donc, dans la société de Sébastien qui est Firestone Suspension Pneumatique. Et ils ont récupéré des vérins pneumatiques. On a remonté des cloches, on a mis des vérins qui ne sont pas du tout prévus pour, on a ajusté et c'est réparé et le bateau est à l'eau depuis un quart d'heure et ça marche très fort. Ça, c'est incroyable, ça c'est absolument fabuleux. Donc c'est des pièces qu'on ne trouve absolument pas, c'est des pannes qu'on n'a jamais eues. Voilà. Alors tu suggères que parce que la technique était différente, du coller, bah, c'est ça. Avant, tout le monde collait au silicone ces fameuses trappes et on s'est aperçu que ces trappes étant collées ne pouvaient pas automatiquement s'ouvrir. Donc la législation a changé, on ne colle plus ces trappes. Alors, tant mieux. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on s'aperçoit qu'on a d'autres soucis maintenant à régler. Donc on a fait l'expérience les premiers. Merci. Donc, pour les autres. Certains viennent voir maintenant ce qui s'est passé chez nous pour ne pas faire la même erreur. On espère qu'ils vont tester également un peu ça, qu'on ait l'occasion de les rattraper un petit peu. Mais bon, maintenant ils ont vu d'où venait le problème. On a été les premiers à en faire la malheureuse expérience. Mais bon, en même temps, c'est une expérience, donc ça va pas se renouveler, on sait maintenant comment ça marche. Ouais, ça veut dire que sur les prochaines éditions, tout le monde aura ses pièces de rechange, des trappes de rechange. Ah, nous, on aura les nôtres, c'est sûr. Nous, on a trouvé... Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé on parlait de bénévoles, on parlait d'équipes, ceux qui sont un peu dans l'ombre. Ça veut dire que dans le camion, il y en a qui ont fabriqué un matériel composite. On a fabriqué un système complet. Moi, voilà, avant d'être policier, j'ai fabriqué des bateaux moi-même, je leur dessinais, je les fabriquais en composite. J'ai mon petit carrossier qui m'a peint le bateau, qui a été hyper intéressé pour me suivre. Donc bah, lui, pendant que je faisais une trappe, faisait la deuxième. Pendant ce temps-là, on a des spécialistes de la suspension pneumatique qui sont de la société ASEB, qui sont partis à l'atelier à Elbeuf, chez Firestone, monter une maquette, tester si ça marchait, et l'ont ramené sur le paddock, et on l'a monté grandeur nature, on a testé, et ça marche. Alors là, faut en vouloir quand même, hein, parce que prendre l'initiative de faire déplacer, de construire, de fabriquer, mais ça, on peut le faire parce que c'est 24 heures de course. On parce peut prendre cette initiative-là. Ah bah, si ça avait été une course de 2 heures, ouais, on pliait les gaules, comme on dit, puis on rentrait à la maison. Hein. Mm-hmm. Non, on n'a rien lâché. Et moi, ça fait 14 ans que je cours. En 14 ans, j'ai raté l'arrivée que 2 fois. Mm-hmm. Il est hors de question qu'on ne la passe pas cette fois-ci. Il n'y a que le moteur qui vraiment nous empêchera de partir ou vraiment une grosse casse. Mais on ne veut pas lâcher le morceau. On est une équipe qui est habituée. Ouais, mon équipe a pratiquement 15, voire 25 ans d'expérience. Et l'équipe TFI a maintenant 2-3 ans, on s'est associé et finalement les rouages se font et ça marche bien. On en est très content. Déjà deuxième avec un bateau qu'on ne connaissait pas tous sur le team. On est vraiment heureux d'avoir pris un si bon départ. On crochait les 3 litres avec un 2 litres. Donc on est confiant pour l'avenir. Et le départ était difficile. C'est à ce moment-là justement quand ça tapait fort que ça a cassé. Ça a tapé très très fort. Au troisième tour, les trappes se sont levées. Ça s'est pas vu tout de suite, donc l'eau s'est engouffrée et a arraché les trappes. L'eau à 150, 160, c'est des barres et des barres de pression. On met pas les mains et là les trappes ont explosé littéralement, ont arraché les vérins et ont arraché quand même de la bakélite de 2 cm d'épaisseur. Donc c'est énorme, hein. La bakélite, on en met quand même sur des voitures, ce sont des plaquettes qu'on met sous des machines-outils. Si les machines-outils ne pètent pas, ça devrait pas péter là et là il y avait beaucoup de force. Et un peu déçu au début, un peu démoralisé, puis on a remis la tête dans le guidon comme on dit, puis on a réparé, ça l'a fait. Donc on comprend que dans ces bateaux, dans tous les bateaux, il y a des airbags sont positionnés comment? Voilà, ce qui se passe, c'est que les bateaux en carbone sont réputés pour ne pas flotter soi-disant,
Je suis pas trop d'accord avec ça, mais ça n'engage que moi. Les bateaux en bois ont des patins en bois, donc ont toujours de la flottaison. Le carbone, effectivement, si on prend du carbone, on le met dans l'eau, ça coule. Mais il y a toujours un peu d'air dans un bateau. Donc là, pour un bateau en carbone, on est obligé d'avoir un gros ballon qui est sur le toit du bateau, avec une bonbonne d'azote qui est montée à 200 bars. Donc cette bonbonne d'azote a un déclencheur. Si le bateau se retourne, ça l'enclenche, ça gonfle le ballon. Ah oui. D'azote pour faire flotter le bateau, et ça ouvre des trappes qui font 35 cm de diamètre à l'arrière pour que le bateau se remplisse d'eau, justement, pour que le bateau bascule, l'arrière coule et la tête du pilote est hors de l'eau. Là, le souci, c'est que c'est l'eau qui a levé les trappes sans déclencher l'airbag. Donc en fin de compte, on a embarqué beaucoup d'eau et les trappes ont littéralement explosé, quoi. D'accord. Donc bah, maintenant on connaît le principe. On va s'en faire d'avance. Ça tourne comment là? Comment vous le sentez par rapport... Bon, vous êtes redescendu dans les profondeurs du classement. Et là, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut encore rattraper les autres. Il n'y a rien de défini à Rouen. J'ai toujours dit, c'est 40% de préparation, 60% de chance. Il y a, on va dire, les favoris sont encore sur le parc à bateaux. Certains abandonnent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la course. Et c'est les 24 heures. C'est ce qui fait son charme. Donc rien n'est perdu hein, de toute manière, hein. On peut être en tête jusqu'à 15h58 demain. Si le bateau est explosé et qu'on passe pas la ligne d'arrivée, c'est classé derrière les autres et puis c'est le copain de derrière qui prend. Donc le but du jeu, c'est déjà de passer la ligne. Le podium, c'est le summum, mais passer la ligne déjà, c'est magnifique. Moi j'aurais bien t'inviter à 6h du matin, savoir si t'as la même pêche que tout de suite, parce que là c'est énorme. Hein. L'enthousiasme, ça fait un mois et demi que je me prends des tartines derrière la tête pour que j'aille me coucher, j'y arrive pas. On comptait sur la Red Bull, mais il paraît qu'il faut qu'on évite en marron, alors bon, les on relais... va chercher, on va reprendre de la Red Bull et ça va le faire. Les relais, c'est comment? Vous restez une heure et demie à peu près dans le... Ouais, une heure et demie, ouais. C'est bien, parce que bon, taper deux heures et prendre un risque d'avoir un gros coup de fatigue, d'avoir mal au bras... Deux heures, c'est autorisé, c'est le maximum. C'est le maximum autorisé. Si on le sent, pourquoi pas? On va voir au fur et à mesure des relais, maintenant, on va voir pilote par pilote. On va pas se mettre trop de pression là-dessus. Je pense qu'une heure et demie, on part dans une bonne moyenne. On a discuté avec les autres teams, c'est ce qu'on fait depuis des années et c'est à peu près ce que fait tout le monde, donc je pense pas que ça soit un relais qui passe par une course. Qu'est-ce qu'on voit là? Parce que j'évoquais les phares qui n'en sont pas, parce que ça éclaire rien du tout. Là, quand vous êtes tous les deux là dans ce bateau cette nuit, on voit quoi? On voit rien. On voit le copain qui est devant nous. Ah oui. Donc on va dire... On suit la lumière rouge. On suit, les faisceaux. Moi, je sais que je regardais beaucoup les gyrophares des bateaux de sécurité, ça me donnait une trajectoire. Si eux étaient devant sur ma gauche, c'est nickel, c'est que je suis sur mon côté. On repère aussi, effectivement, il y a des projecteurs, on repère les projecteurs. Et on va dire qu'on a la gerbe du copain qui est devant, c'est qu'on est un peu trop près de ses fesses, donc on va reculer un petit peu. On lève le pied et généralement, c'est rare qu'on se tamponne la nuit un bateau derrière un autre. C'est quand même assez rare, on n'y voit pas trop mal, on va dire, à certains endroits. Le circuit, on le connaît par cœur. Ça tourne toujours dans le même sens. Voilà. Je pense pas qu'ils vont déplacer un pont ce soir. C'est aléatoire. Mais bon, c'est vrai que la nuit c'est assez spécial. Bon, c'est vrai que je préfère la nuit. C'est le moment que je préfère. Je ne saurais pas l'expliquer. Je travaille beaucoup de nuit, c'est peut-être pour ça. Mais la nuit, je la trouve plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ok, il n'y a pas de collision particulière entre bateaux. Par contre, est-ce que vous voyez les vagues? Les vagues, est-ce qu'il y en a? De quelle dimension elles ont? Est-ce que vous les voyez sur les vagues? Effectivement, on les voit, puisqu'en fin de compte, ce sont les projecteurs qui sont sur les ponts qui éclairent les arêtes des vagues. Donc en fin de compte, ça crée des ombres, et c'est là qu'on voit. Si on ne voit pas d'ombre, c'est qu'il y a un courant qui n'est pas sain. Ça arrive sous le pont qui est le pont SNCF. Il y a une descente d'égout qui est à ce niveau-là. Et là, quand il n'y a plus de vagues, c'est que derrière, il y a peut-être une surprise. D'accord, mais ça, vous le savez tous, il y a des repères. Voilà, c'est pour ça que les moniteurs, comme Philippe Fiap, emmènent les jeunes la veille de la course faire un tour de circuit pour leur montrer là où il y a des pièges, là où il ne faut pas se rater, et là où il ne faut pas hésiter à lever le pied. On a le pont de la Croix qui est le pont Corneille. La remontée, on sait très bien que là, ici, il y a très peu de profondeur, puisqu'il y a des épaves de la Seconde Guerre mondiale qui sont au fond. Il y a un pont qui a été bombardé qui est au fond. Donc on a énormément de creux juste avant les péniches. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Il y a des gros remous, il y a des gros trous, puisqu'il y a une grosse différence de profondeur qui est de 5 mètres. Donc là, ça creuse naturellement sans qu'il y ait vraiment de vent ou de houle. C'est naturel. C'est toujours au même endroit d'ailleurs. Hein.
On a une pas rampée de photographes. Ouais, évidemment, à ce niveau-là, ils se trompent pas, ils savent que c'est là que ça tape. Donc ça, les photographes, tu les repères aussi. Hein, oui, ça flash. Là-bas, ça flash bien. On les voit bien. Dans l'équipe, il y a un bavard. C'est pas spécialement moi. Il y a un autre. Il y a notre président. Voilà. Sébastien, je vais passer quand même le micro, tiens. Donc on sent, c'est quoi, il y a une cohérence, un enthousiasme de l'équipe, c'est voilà, ça c'est, ce qu'on vient. C'est vraiment un ensemble de compétences et bonne volonté de tout le monde, de certains des collaborateurs à titre privé qui n'ont rien à voir avec la course, mais qui sont quand même allés préparer cette espèce d'airbag. Pareil pour Cyril avec son équipe de bénévoles. De toute façon, Rouen, comme beaucoup de courses, sans une unité dans l'équipe, peut de toute façon pas gagner. Alors c'est quand même incroyable ce que représente Rouen dans le motonautisme mondial, on va le dire, quand même, parce que c'est infernal, ce plan d'eau c'est infernal, le courant, les épaves que je connaissais pas, les renverses de marée, l'étale, etc. Enfin c'est que des choses comme ça, et tout le monde veut faire Rouen pour ça. Mais oui, parce que c'est la course la plus difficile, la mythique, c'est la plus longue, c'est le plan d'eau le plus difficile, le plus difficile aussi pour les bateaux comme pour les pilotes. Courir la nuit, c'est pas forcément évident non plus. Et puis surtout, on a ici la chance d'avoir beaucoup de teams qui ne sont pas des teams professionnels et qui ont eux aussi, comme les autres, leur chance de gagner. Parce que, comme disait Cyril, c'est 60% de chance, les aléas. Il ne vous a pas parlé non plus des épaves qui se baladent sur l'eau en bois ou les lave-vaisselle ou les que sais-je. Il y a eu beaucoup de ménages de fait quand même. Et, on a dit, oui. Depuis quelques années. Heureusement, mais ouais. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. On doit quand même, enfin moi je suis content de remarquer que l'ensemble des équipes a quand même largement amélioré la qualité de préparation des bateaux, ce qui permet d'avoir un plan d'eau aussi vif. Bon, malheureusement pour tous les bateaux qui rentrent, comme les nôtres, ce sont les aléas de la course. Leur enthousiasme en tout cas, leur énergie, leur enthousiasme. Voilà, on aura j'espère des invités aussi enthousiastes. Thank you.
se lève vertical, c'est mort. C'est mort, là il coule. Ah ouais, il est déclenché l'airbag. Thank you.
les fêtes. Allez, les casser de l'autre côté aussi. Allez. La question, elle va venir dans son intérêt dans quelques instants. On a souhaité avoir trois premières réponses. Ce qu'il y a des gens sur les questions de assistant.